C'est nickel. Voilà. Un petit point par rapport à l'avancement depuis la dernière fois. Alors, en parallèle du plugin, en parallèle du mini-jeu, j'essaye de recréer un PVP style 1.8, comme ce qu'il y avait à l'époque du coup, parce que je le trouve quand même plus pratique pour ce type de mini-jeu, mais j'aime. Je ne hais pas spécialement le PVP 1.9, c'est pas ça le souci, c'est juste que pour ce jeu-là, je trouve que le celui de la police est quand même plus pratique. Donc j'ai essayé de le recréer un petit peu, et le problème de la 1.8, c'est qu'elle avait une hitbox un peu plus grande par rapport à la 1.9. Donc tout le problème que j'essayais de résoudre, c'était d'agrandir la hitbox. Bon, pour le moment, c'est pas réussi, hein. Pour le moment, c'est pas ça. Du coup, pour le moment, je vais le mettre en pause. Je vais le stopper. Hop. Et je vais continuer le jeu en lui-même. Et je me concentrerai sur le PVP vers la fin. Aussi, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? J'ai regardé mes commits. Je connecte juste à GitLab et je regarde un peu. Quoique, je crois que je peux avoir un historique. Je crois que je peux avoir l'historique ici. Ouais, voilà. Voilà. Le dernier commit en date, c'est celui-là. TP Falling Job. Il y a un click inventory pour les menus. Oui. Ok, oui, j'ai juste ajouté ça. Apparemment. Added point items, cover update. Ok, j'ai mis à jour les points. Ouais, voilà, j'ai pas mis grand chose. J'ai pas fait grand chose en soi qui a un gros impact pour le moment. J'ai oublié de lancer le serveur. Peut-être pratique si je lance le serveur. Bienvenue spectateur, hein, si tu veux parler, n'hésite pas. C'est pas un souci. Voilà. Serveur Spygot 15 lancé. Le serveur se lance. Il faut juste un petit peu de temps. Codage en surchauffe, en surcharge plutôt. Oui, ça doit être le lancement du serveur qui pompe un peu sur le processeur. Voilà, c'est bon le serveur. Flash 50% pour le serveur, côté pros, ça fait beaucoup. J'aurais dû le lancer avant. Voilà. Là, il devrait prendre moins de processeur. Nickel. Là. Voilà, bon,
se connecter sur le serveur et je vais lancer la vision Minecraft. Oh, j'étais sûr. Le... Ah bah oui, j'ai pas. Oh là là, le j'ai pas reload. J'ai pas build. Bon, bah pendant qu'on est là. Oh. Je pense à régler le serveur. Ouais, bah oui, forcément, dès que je build. Allez, voilà. Je lag autant. Voilà ce que j'ai fait déjà côté Xbox. J'ai essayé Xbox. Hein, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ouais. En gros, c'est un cube délimité par deux points. Le principe même d'une Xbox en trois dimensions. Voilà. Ah, j'aurais dû lancer le jeu avec Optifine. Voilà, et elle tourne en fonction de mon yaw, c'est-à-dire mon regard sur cet axe-là, quand je bouge de gauche à droite, et pas de haut en bas. Et le problème, c'est que il y a encore. Déjà, je vois pas pourquoi il fait ça. Voilà, donc là, c'est beaucoup trop grand déjà. Parce que c'est censé. Voilà, et là c'est pire. C'est-à-dire que là, si j'utilisais cette hitbox, pour le moment, elle sert à rien parce que je n'en sers pas. Mais disons que c'est un peu grand comme hitbox. Donc bon, j'ai reload. Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah bah oui, c'est normal ça. C'est parce que j'ai reload. Voilà. Ouais. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer d'avancer un petit peu sur le gameplay quand même, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, qu'avant de continuer le kit, bah déjà on va préparer un peu tout ce qui est gameplay en lui-même. C'est-à-dire gérer l'apparition de la plume, gérer les morts, gérer tout le bordel. Ouf, ça va faire beaucoup de trucs. Donc, bah, va falloir s'y mettre. Ouais. Du coup, ça, je vais mettre aussi. Là. Voilà. Bon, bah maintenant que tout ça c'est fait, les kits, j'ai dit que j'y touchais pas pour le moment. Ce que je vais faire, on a. Non, pas statement, task, game task. On va faire l'apparition de la plume. Donc, l'apparition de la plume, creative. Mais states game comme ça je peux sortir du hub avec un toi Mathieu. Oh, j'ai jamais eu autant de lag moi. Bon, moi je veux que la plume elle apparaisse là, donc c'est-à-dire en 0,5 0,5. Je vais mettre 150 pour être sûr que ça ne glitche pas à travers le sol. Donc, la plume, elle va apparaître à chaque fois qu'une. Comment dire? À chaque fois qu'un point est marqué, c'est-à-dire que qu'il n'y a plus de plume sur le terrain.
Parce que ça, c'est un problème que j'avais sur le premier Supracube, avec la première version du jeu, c'est-à-dire qu'on pouvait marquer des tonnes de points pour peu qu'on attende assez. Du coup, les parties, elles n'étaient pas souvent très intéressantes de ce point de vue-là, je trouvais. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, là, pour y remédier, ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais faire spawn une plume dès le début du jeu. Et putain, processeur galère. Minecraft serveur. Pourquoi je suis en GPU 0? Ah, j'ai bien une idée, ouais. Ouais, je sais pas. Voilà. Désolé, j'ai des petits problèmes avec mon logiciel. Ça tourne déjà un peu mieux. Bon. Du coup, je disais au lancement de la partie, donc c'est-à-dire ici. Ici, je vais faire spawn une plume. Donc, déjà, je vais aller dans Utils et je vais créer un item en statique qui va me permettre de ne pas avoir à recréer tout le temps l'item de la plume. Je vais économiser un peu de temps. Feather est égal à new item creator. Oui, dans l'API. Material.feather. Et j'en veux plus. Set display name. Et pour le moment, je vais l'appeler plume. Je chercherai un vocabulaire plus spécifique, etc. Et en lors, on va juste mettre une petite explication. Hop. Et là, je build. Ici, en lors, je vais mettre set et o. Apporter cette plume sur votre île. Et marquer un point. Pardon. Voilà, donc là j'ai mon item. Donc ici. Bah pareil, je vais retourner vite fait dans le utils. Ah merde, par contre oui, je suis pas sur la bonne view. C'est F8. Non, c'est F7. Voilà. C'est mieux. Là, normalement, vous allez voir le code. Je vais retourner vite fait ici et je vais. Normalement, si j'ai déjà un truc center. Ouais, bah voilà, parfait. J'en ai un qui s'appelle center. Donc, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, je vais retourner là et là, je vais faire un utils.center. Ah merde. C'est bucket.getWorld. Il va s'appeler world.spawnItem. Je sais plus comment on fait spawn un item. J'ai regardé vite fait sur Bucket. Ah, c'est ça. C'est point drop item naturally avec utils
center et item stack utils.feather. Parfait. Maintenant qu'on a ça, la plume elle va spawn. Et le prochain objectif, ça va être de faire. Quand un joueur le rattrape. Donc là, ça va être un listener. Est-ce qu'il est... Il est... Ils sont là, les listeners. Un listener de player. Hop. Player pickup. Listener. Et je le register. S'il veut bien. This.listenerManager.register new pickup player pickup putain j'ai des gros problèmes de PC là, c'est incroyable. Implements listener de bucket. Pickup. Donc cet event-là, il va gérer quand le joueur il va ah, là, pickup item, quand le joueur va ramasser un item sur le ah merde ah faut plus l'utiliser, il est déconseillé. Du coup, je vais faire une recherche pour savoir ce qu'il y a de nouveau. C'est quoi les autres items sinon? Item, arrow. Expérience. Deprecated, yes. Ce sera pas mal qu'ils me disent qu'est-ce qu'il faut utiliser à la place. Ah, ok, maintenant c'est entity pickup. Ok. Ok. Bon, du coup, il va falloir vérifier si event on get entity instance of player. Final player, player est égal à on cast en player. Et là je récupère l'item, item stack, item est égal à event.get item.
Désolé. Ah, c'est pas un item. Ah, bah oui, c'est un item. Du coup, faut que je le converte. Voilà, un item stack. Tilt.feather. On vérifie que ça fonctionne bien. Si on n'en a pas besoin, on supprime. Enfin, on quitte l'event, ça sert à rien de rester. Alors, là, ça va être la partie un peu sympa, parce que je veux que... Ah, ça rame, ah, ça rame, ah, ça rame. Merci le jeu. Je veux appliquer au joueur qui porte la plume. Je veux que le joueur qui porte la plume, hein, qui a la plume dans son inventaire, possède... Alors, il va pas avoir le droit de la drop, hein, par contre. S'il veut... Ah, quoique, ça peut être sympa s'il peut la drop. Pour le moment, je vais interdire le fait de la drop, parce que je pense que ça va peut gâcher un peu le jeu. Mais en gros, je veux qu'il ait un effet. Là, je vais me le donner pour le montrer, pour une petite démonstration. Hop, voilà, je veux qu'il ait cet effet pour les joueurs. Ah, putain, ça rame. Voilà. Je veux que les joueurs le voient avec cet effet. C'est-à-dire que tous les autres joueurs de base vont avoir un glowing effect. Les joueurs de son équipe vont le voir de base. Enfin, comment dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que normalement, les joueurs de son équipe le verront avec la couleur de son équipe. C'est-à-dire que s'il est bleu, les autres joueurs le verront en bleu. Et s'il est rouge, les autres joueurs le verront en rouge. Par contre, dès qu'il installe la plume, dès qu'il a la plume sur lui, je veux que les joueurs de l'équipe adverse le voient en jaune, comme étant l'objectif. Et je veux que les joueurs de son équipe le voient en blanc. Comme ça, je suis sûr. Ils savent, attention, la plume a été récupérée et c'est ce joueur-là qui l'a. Donc, comme ça, les autres joueurs ils savent qui viser et les joueurs de son équipe ils savent qui protéger. C'est plus direct que de dire attention, machin a eu la plume, machin. T'oublies assez ton pseudo tandis que la couleur, une fois que tu l'as, bah, tu dis ah là il y a le jaune, la plume a été prise, faut que j'aille le tuer. Voilà.
C'est ça, jaune pour les. C'est ça, c'est ça. Donc maintenant, on va essayer de faire ça. Et là, vu que je sais pas faire, bah, on va faire une petite recherche sur internet. Long effect, color, fair player, bucket. Non, ça c'est une ressource. Doit y avoir un paquet pour ça et ça me fait un peu chier parce que final paquet. Final paquet. Play out glow. Non. Il me semble que c'est dans le paquet des joueurs et ça va me saouler si je dois forcément passer par les paquets. Mais bon, s'il faut, il le faut. Alors, glow effect paquet. Parce que je pense pas que, voilà, je pense pas que ce soit possible de donner des effets à juste une personne. Donc je sens que je vais devoir passer par les paquets. Petit effect, new mob effect, final packet lay out entity. Effect est égal à new packet payout entity effect. Get plutôt player. Get entity ID new mob effect. Mob effect. J'aimerais tant que possible pas avoir, donc je vais voir si c'est mob effect. I got javadoc. Ouais, je vais plutôt aller sur Spaghetti MC. Déjà. Tout d'autres là. Ah voilà, Java doc bucket. Alors, et son package, c'est mob effect. Ah, c'est net pour. Ah, fait chier. Du coup, faut que je décompile. Bon, bah, décompilons. Désopilons. Allez, 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 tu peux le faire. Je vais essayer de vous montrer, histoire que ce soit pas juste un écran fixe. Plus capture de fenêtre. Non, ça va pas être ça. Ça va être Java Decompiler. C'est ça. Voilà, là vous pouvez le voir. Normalement. Du coup, moi ce qui m'intéresse dans le paquet Nets Minecraft Server, il s'appelle
C'est juste, ça s'appelle juste Mob Effect. Donc Mob Effect. Voilà, ça doit être dans ce coin-là. La méthode, Minecraft. Mob Effect. Mob Effect.class. Là, on a Mob Effect List, évidemment, je peux pas y accéder, c'est fantastique. Voilà, donc là, on a. Je vais vite faire regarder ce qu'il y a ici. Mob Effect List. From ID. Ah, ça va pas être simple ça. Après le kit c'est 24, donc on va mettre 24 et ensuite le reste c'est quoi? Ça correspond à quoi? La durée, l'amplification ambiante, show particles, show icon, hidden effect. Ok, donc bon, ben on va suivre vite fait ça. Ça va être un effet infini, donc duration 9999, ça c'est infini pour Bekit. Amplification, on va mettre 0, hein, c'est Glow Effect, on n'a pas besoin que ça soit partout. Ambiante, je sais plus ce que c'est ambiante, on va mettre false dans le doute, on changera au besoin. Show particles false, je veux pas. Show icons false. Et hidden effect true. Ah, c'est pas des que des booléens. J'ai 3 booléens et 2 int. 1 int, 2 int. Là ça marche. Il y a la var 6. On va voir ce que ça donne. Et voilà, je vais me le faire. Donc, craft player, player, get handle, prend player connection. Allez. Voilà, player connection. Point send packet effect. Et là, on va tester. Problème, c'est que je sais pas changer la couleur. Ça, je verrai après. Ah, ça doit être en rapport. Oui, c'est en rapport avec la team. Ça va être chaud. Faut que je me renseigne. Je repasse sur Minecraft. C'est pas mal que ça a de ramer. Je reload. Ah, c'est quoi ça? Mais start. Donc là, logiquement, logiquement déjà, il n'y a pas d'erreur en console, donc qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, hop. Oui.
C'est normal, voilà. Là, il y a la plume, mais je pourrais lui mettre un glow effect à elle aussi. Mais bon, voilà. Et là, logiquement, j'ai un glow effect. Pourquoi je l'ai pas? Je sais plus écrire. Voilà, là au moins je suis sûr que ça a marché et je vais envoyer un petit api.log info item. On relance. PC guère plus que d'habitude pour le live. Ah voilà. Le chat. Oh, oh putain. Oula, où est-ce que t'as spawn toi? Ça me plaît pas trop ça. Donc là j'ai bien récupéré l'item, mais par contre ça me voit pas le. J'ai bien l'effet de glowing, mais pourquoi je le vois pas? Attendez, je reviens. Il doit y avoir une erreur dans le paquet et je me demande si c'est pas justement ça qui pose problème. Peut-être le show icon. Ça, je l'ai en true. Il y a carrément pas de plume qui a spawn. Ah si, mais pourquoi elle spawn là? Bon, j'ai toujours pas de glowing effect.
Bon, je vais couper le live pour le moment, je reviendrai dessus. Pas très productif ce live-là. Je reviendrai dessus quand j'aurai du nouveau. Hop. Bon, bah, merci d'avoir suivi, c'est sympathique. Je te dis au revoir.